Eh bien, salut tout le monde, 50 à 78. Alors, pour pas perdre de temps, j'ai commencé à faire les bases de la maison. Pour le devant de la maison, c'est 14 pierres. Pour les côtés, non, et là-bas, c'est 10. Ici, c'est 5. Ensuite, on met en arrière, donc vous voyez bien là que ça va faire une sorte un peu de cheminée, mais je vais pas la placer. Alors, ensuite, là, c'est 6, avec, en comptant ces deux-là. Là, c'est 5, et là, c'est 10. On va commencer. Alors, l'escalier, il est très simple. Alors, on va mettre... on va creuser comme ça. On va mettre les escaliers comme ça. Ensuite, on va mettre la pierre ici. Et il faut que ça fasse deux escaliers comme ça. Et ensuite, bien sûr, on enlève la pierre ici. Et ça nous donne le même escalier qu'ici. Voilà. Bon, alors... maintenant là donc j'ai fait le parquet hein. Vous reconnaissez, enfin j'espère. Donc j'ai aussi remis du bois pour délimiter toujours les bases de la maison. Donc là elle ressemble à ça pour l'instant. Bien sûr on va faire les vitres. J'ai fait le parquet, j'ai fait les vitrages. Et j'ai aussi mis en hauteur les trucs, sinon on voit pas les bases de la maison. Hein. Toujours s'assurer. Hein. Maintenant on va faire l'escalier du sous-sol parce que sinon, comment on peut y accéder sans tout péter, bien sûr. Alors, on va faire. On va casser 8 blocs. Qui représente le parquet dans cette maison. Il en fallait du courage. Nanana. Voilà, on enlève tout ça. Et ça nous fait un escalier. Alors, voilà, ensuite on va faire l'étage du dessus. Donc, on va reprendre ici, là. Donc ça va faire un tour. Mais pour pas tomber, hein, parce que ça sert vraiment, on va mettre des trappes. Donc, ouais. Donc on en met une par terre, si on arrive. Et on la soulève. On en met une sur l'escalier. Et voilà. Et comme ça, on peut pas tomber.